Fauteuil, l'odeur des vacances. À la recherche des odeurs perdues, c'est l'acte 2 de ce soir. En 2318, l'épidémie de Covid n'est plus qu'un lointain souvenir. Et ces masques, des vestiges pour les musées. Tout le monde en portait. Enfin, qu'en France, hein, tout le monde. Est-ce que les animaux, ils portaient aussi des masques? Non, les animaux, ils portaient pas de masques. Le monde d'après pointe le bout de son nez, et avec lui, toutes les odeurs d'avant. Odeurs dont on n'aurait jamais cru avoir la nostalgie. Comme le parfum du métro pour aller au boulot. Bientôt les heures des pointes. Ou encore l'arôme du plastique dans le gobelet de la machine à café. Ça m'a manqué. Les Français adorent les odeurs. En particulier les odeurs alimentaires, parce que le goût est lié directement à l'odorat. Donc, ce qu'on mange, on le sent par le nez. Ainsi, ce n'est pas tant le goût, mais l'odeur de sa madeleine qui a replongé Marcel Proust en enfance. Un voyage dans le temps, rien que par le nez. Proust dans les odeurs, c'est un cadeau. La madeleine... c'est juste la partie d'un iceberg. Il décrit d'une manière hallucinante le processus de remonter d'un gros souvenir. Et là, le mec est balèze, quoi. Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, seule l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à porter sans fléchir l'édifice immense du souvenir. Les odeurs sont les clés, je veux dire, du grenier des souvenirs. Et c'est comme une clé dans une serrure, clap, ça tourne, et là, ça déclenche une sensation. Et puis on va y mettre un nom. Tête de bébé, placard de cuisine, pot d'échappement. Dans son laboratoire, Michael Moiseff a même fabriqué l'odeur de la lune. Quant au souvenir, pour Proust, c'était une madeleine, mais ça aurait pu être tout autre chose, comme de l'essence. Ah, l'odeur de l'essence. C'est vrai que ça sent pas bon, on va pas se parfumer avec de l'essence, mais quand on sent l'essence, on a des bons souvenirs. Pour les enfants, bah, c'est quand papa fait le plein pour partir en vacances. La voiture, c'est le petit univers, on est tous ensemble, on est bien blottis, et puis on s'en va à l'aventure. C'est donc le souvenir qui est évoqué par cette odeur, et lui, il est agréable. Pour le plaisir, on a donc demandé à notre sculpteur d'arômes de créer pour nous l'odeur des grandes vacances. Ça, c'est de l'Eucalyptus citriodora. L'Eucalyptus à odeur de citron, donc on sent ça. On a l'impression de sentir très très fort cette odeur caractéristique des campings assaillis par les moustiques, la citronnelle. Mais les vacances, ce ne sont pas que les moustiques. C'est aussi la mer. Le petit côté ionné quand même est important pour l'océan. Donc là, voilà des huîtres, ça j'aime bien les manger. Et si je veux attraper l'odeur de la coquille d'huître, je mets de l'alcool là-dessus. Et l'alcool va extraire les odeurs qui l'imprègnent. Des huîtres, un cornet de glace, du molloy et juste une bouffée de voiture rôtie au soleil. Ça fait rêver, non? En même temps, tout est relatif, car les bonnes odeurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes qu'autrefois. On adorait les gens qui sentaient fort.
Par exemple, un guerrier qui revenait d'une journée entière sur un cheval se précipitait, et on a prêté ce mot à Napoléon, mais c'était bien avant, il disait « Ne te lave pas, j'arrive !» Pas non plus les mêmes odeurs d'un pays à l'autre. Les Américains veulent tout désodoriser. Toute odeur est mauvaise. Tout le contraire des Français. Une odeur de fromage, pour certains, ça s'avère être une odeur de bon fromage, mais d'un autre côté, c'est exactement les mêmes molécules de l'odeur des pieds qu'on marinait dans des godasses pendant un certain temps. Ce sont les mêmes molécules, les acides butyriques, ben oui, ils sont le fromage. Le seul point commun entre tous les humains, c'est qu'une mauvaise odeur égale danger. Et qu'une bonne odeur égale volupté. On m'a même dit, c'est à vérifier, que l'odeur de chaque être humain sur la Terre est aussi unique que ses empreintes digitales. Et que donc, vous cherchez votre odeur complémentaire parmi les milliards d'êtres qui peuplent la Terre. Et c'est votre nez qui vous donne le coup de foudre. C'est ce qu'on appelle être mené par le bout du nez. Les madeleines dans la vie. Non, il y a aussi les vacances qui, après quelques jours de macération et de distillation, sont prêtes à être mises en flacon. Le parfum, voilà, bah, ça me cause. Enfin, pour moi, vacances, souvenirs, j'ai 4 ans et j'avance dans l'eau. Le truc, c'est que l'odeur est intime. Donc chacun a ses odeurs de grandes vacances. Les souvenirs, c'est personnel. Mais n'en doutez pas, les odeurs vous emmèneront toujours ailleurs.